Les gens, comment partir en trip? Alors, bon, c'est un petit bonus, lisez un peu le chat. Donc, je sais pas ce qui se branle là, mais. Non, faut arrêter d'amuser quoi. Donc, nous avons Monkey qui fait un striptease devant Nenexis et Monsieur Neymar. Alors, attendez. Voilà. Non, sérieux, ils abusent. Bon, moi, je répare des conneries que j'ai faites. Enfin, disons les conneries que j'ai faites. Enfin, chemin. Là, vous avez un troll. Oh non, ils abusent, les gens. À 1h du matin, tout... enfin à 2h du matin plutôt, tout le monde fait. Regardez, 2h du matin, regardez les gens qui se connectaient. J'aime les savoir comme ça. Bon, je suis le seul modo qui est encore là à cette heure-ci du matin, mais bon. Final, ça va. Donc cette petite vidéo comme ça, je garde le bonus comme ça, je couperai, je finis juste, ouais, je vais même pas finir les panneaux. Bah, de toute façon, on se revoit tout de suite. Bon, elle va me servir d'intro, allez. Ça, on peut prendre du fun parfois. J'avoue que c'est OP. Les gens, pour dire. Alors, je voulais faire une petite vidéo présentation du serveur, enfin, le deuxième. J'espère que là, les problèmes de son seront réglés. Je baisse un peu le son quand même. Voilà. Parce que les trappes, même pour moi, elles sont fortes, donc j'espère que ce sera pas pour vous. De toute façon, j'ai bientôt fini. Je vais expliquer vite fait aussi pourquoi je fais ça, parce que certains vont se demander pourquoi est-ce que je refais tout le chemin. En fait, j'ai espacé toutes les lumières d'un cran. Pour la simple raison que je peux pas caler de chemin sinon entre les lumières. Voilà. Donc oui, pour ceux qui vont râler, les chemins sont faits en game mode. Oui, je le sais, c'est pas bien. Mais c'est ce qu'il y a de mieux. Alors. Terraforming comme ça. Disons que ça ne changera pas grand chose de faire autrement. Juste d'éliminer de la clé, mais j'ai tout à la maison. Et je considère que tout ce que je fais pour la ville, c'est pas pour moi, donc je le fais en game mode. C'est quand même à savoir que sur cette PVP de base et pas être joli. Donc bah, certaines choses seront faites en game mode, les gens le savent. Ils sont avertis. Putain, encore! Donc c'est comme ça, comme ça. Donc sa porte est là-bas. Donc comme ça, comme ça. Fuck. Non, c'est dans l'autre sens aussi. Il démerdera. Ouais, donc tout ça, ça part d'une histoire de succès. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé dans la soirée, mais. Après, je crois que ça a commencé par Geeks qui commence à faire le succès du Wither. Et après, tout a enchaîné, tout le monde a fait tous les succès au fur et à mesure. Donc pour le moment, bah, ils savent pas encore que c'est filmé. Enfin, ils savent que je filmais tout à l'heure, je pense pas qu'ils sont au courant que je filme maintenant. Pas très grave, tu as un cheval, c'est fort. Il s'abuse. Ouais, donc il y a des petits trolls sur le serveur, surtout à cette heure-ci du matin. Geeks et tout ça sont partis, donc on est à peu près tranquille, je vais pouvoir filmer. J'aurais pu inviter du monde dans la conve, mais. Est-ce que j'ai pu utiliser.
Il me faut du lait. Parce que j'ai Monsieur Neymar et Nenexis sont ensemble en conf. Donc je vais les laisser tranquille, je vais pas les embêter. Il y a Monkey qui est tout seul, limite lui je pourrais l'inviter. Mathéo n'a pas de micro lui, donc je vais pas pouvoir l'inviter. Je voulais l'inviter mais il n'y a pas de micro donc ça va pas être possible. Oui j'avoue qu'à la limite par contre je pourrais me retrouver à Monkey et faire une petite vidéo avec lui. Je vais faire ellipse, ouais je vais faire une petite ellipse, temps de voir si avec Monkey il veut se rejoindre la vidéo. Tac 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 tac. Donc ellipse les gens. Pourquoi ça n'a pas fait ellipse? Et bonjour à tous, ici Wood Marchons avec alors le pseudo Monsieur Naimé. Ouais, Name. Name? Ouais, comme ça. Une des deux personnes qui regardait à la fenêtre de Monkey tout à l'heure. Ah, parce que t'as vraiment filmé tout à l'heure? Ouais, ouais, j'ai filmé. J'avais, je voulais faire la vidéo, j'avais frappé sous le verre. J'ai vu ça, je me suis permis de le faire. Ouais, c'était plutôt cool. J'ai bien aimé, hein. Ouais. Donc, bah, on est là pour présenter un peu comment ça a avancé sur le serveur. Dernière vidéo, normalement, que vous aurez vu, c'est une. Un peu ce qui s'est passé dans le KFC il y a pas longtemps. En gros, on avait lâché des poulets pour t'expliquer. Enfin, j'avais. Je crois j'avais deux inventaires pleins d'œufs. Je me suis balancé. Je me suis amusé à tout balancer dans la maison là. Ah, ouais, d'accord. Ah, donc c'est pour ça le. C'est KFC, d'accord. Ouais, voilà. Ok. Il y a pas mal de tout. Bon, bah, les gens, on va commencer. Bah, vous avez commencé à votre maison aussi? Bah, moi, j'ai commencé la mienne, mais il a fait la sienne, Nex. Nexis. Ah, ici, celle du centre là. Ouais. Je me pose avec toutes les maisons. C'est Edwin qui est là. On va commencer à visiter un peu les maisons. On va commencer par celle de Monkey qui a à peine fini, ça va faire le tour vite fait. Enfin, qui est en tout cas un cours de construction. Donc c'est le seul qui ouais, fait quelque chose d'innovant hein, avec le bois d'acacia. Ouais, c'est bien, j'ai vu ça, mais faudrait que j'essaye. J'ai pas encore essayé. Bah, il se demandait, il m'a demandé quelques fois comment ça marchait ou pas. Je vais visiter, je vais me permettre, hein. Bon, c'est très vide à l'intérieur. Hein. Parce que ouais, il a le nécessaire, des fours, une forge, ouais. Des coffres terminés, quoi. Bah, c'est mieux que ce qu'il avait avant. Je sais pas si c'était là avant, mais il avait un gros carré marron et puis voilà. Non, je suis arrivé tout à l'heure, moi. Ouais, c'est vrai. Heureusement que je suis arrivé, sinon il aurait jamais eu de diams, l'autre, là. Bah, des diamants, on en a 50 dans nos coffres, donc nous, on est à peu près tranquille. Oh, moi, j'ai galéré, j'ai fait du minage au petit et c'est moi qui ai tout miné. Fortune 3. Aïe, ah oui, d'accord. Ah oui, effectivement, là ça fait mal. Ah oui. Tu verrais les enchants de Kona, mais on a passé notre temps à ça. Donc, bah là, c'est la maison aussi de Frank724, un autre modo. Il commence à construire, lui il essaye pareil en clay. C'est la première fois qu'il va tester. En clay, ça rend bien. Ouais, c'est, bah, ça dépend ça comment rend il prend les couleurs, bien. Ça peut faire quelque chose de bien. J'aime bien qu'il ajoute du quartz, moi, avec les escaliers en quartz. Ça peut faire quelque chose de joli. C'est plutôt pas mal. Il a posé son archesse devant. Donc bah les gens voyaient un peu ce que j'ai moi pour ceux qui sont dans la vidéo. Il y a du diamant dans mon under chest. Ah ouais quand même. Ah j'ai le dragon egg dedans. Hein. J'ai l'œuf de dragon qui est dedans. Ah c'est toi qui l'as tué? Non c'est Geeks Mode. Ah ok. Mais au final on avait mis l'œuf de dragon dans la maison mais il y avait des gens qui arrêtaient pas de s'amuser à le TP donc au final j'ai mis dans mon... Donc. Ah ouais ok. Donc bah après ma maison bon voilà bah, ça va être un peu compliqué de tout faire visiter. C'est un peu là où se réunissent un peu tous les gens. Puis le début de... Ouais bah attends on va commencer par le haut parce que le bas c'est un peu galère, c'est tout un restaurant en bas, ça va être galère. Ah je vois. Mais c'est ça. Ici en fait c'est un petit peu un endroit où tout le monde passe et qui se balade. Pour dire actuellement, y a... c'est ma maison mais il y a deux squatters qui sont Gizmod et Valolo. T'as quand même un poney chez toi hein. C'est le poney à Valolo, c'est pas moi. Donc ouais là je fais des popos, y a pas grand chose. Instantile. Ouais. Bon on est à peu près tranquille. Niveau potion, j'avance assez vite aussi. Regarde, c'est là où j'ai mis l'œuf de l'Under Dragon, mais au final tout le monde le TP. Ah ouais, je vois. C'est dommage parce que c'était bien là. Le truc que j'ai le plus galéré, c'est pour faire ça. Je savais pas où les planter les cannes à sucre. Ah ouais, du coup tu t'es. D'accord, ah ouais. Bah de toute façon là t'en as plus besoin là. Ouais, si je fais des bouquins et j'enchante des bouquins level 30. Ah ouais, ok. Mais en gros, le plus chiant c'était de mettre de l'eau dans les fondations de la maison. Ah, t'as mis de l'eau? Bah, tu sais, il faut de l'eau pour les cannes à sucre. Ouais, bah ouais, mais. Donc, il y a de l'eau dans les murs, quoi. Ah, d'accord. Ça doit j'ai être pas mal. Je vais faire là. Un tour des coffres aux gens. Ah, et que j'explique aussi, j'ai une trappe chez moi. Donc, certains vont pas piger pourquoi j'ai une trappe qui donne dans un gros trou et un hopper. Et un hopper, c'est parce qu'en fait, en face. Là-dedans, je balance tout ce qui est charbon et tout ce que je veux faire fondre.
En gros, si je prends, je vais faire un exemple vite fait. Merde, tac. Faudrait que je peux pas utiliser l'inventaire. Foutu game mode, voilà. Et vous prenez de la cobble. Et il suffit de tout balancer là-dedans. Oups. Et tout va, on va tout récupérer en bas fondu. C'est assez pratique. C'est nickel. Ah ouais, c'est relié directement à un four. Ouais, bah je vais te montrer ça en bas si tu veux. Bah alors moi j'ai fait ça pareil, mais sauf que ça marche pas. J'ai fait la même chose, mais ça marche pas. J'ai pas compris. Là, la fer à poulet qu'on va plus utiliser. Mais dis-toi en bas, la dose de fer que j'ai utilisé, mais c'est énorme. Hein. Je crois que oui, j'ai dû bousiller un stack entier de blocs d'iron. Oh, là, les c'est une ferme à poulet, c'est pour la bouffe. La bouffe part tout le temps, de toute façon, tout le monde vient servir ici en bouffe, par contre, il reste plus que les plumes. Niveau bouffe, regarde, dis-toi, j'avais autant de bouffe que de plumes. Hein. Oh, bah, ça, ouais, mais bon, ça arrive directement grillé, c'est bon. Là, c'est une ferme à melon qui marche d'ailleurs, mais très peu. Ferme à melon, ouais. Et c'est là, regarde, en fait, le truc des fours. Donc là, bah, regarde, j'ai tout ce que j'ai tout ce qu'il a fait, tout ce que j'ai mis à fond dernièrement. Et toi, ah, t'as la stone qui va augmenter. Et je vais te montrer à peu près comment ça marche derrière. Zoup. Voilà. Et dis-toi, tu utilises 5 fer pour chaque hooper. Putain. Ah ouais, quand même. Ah oui, donc t'as été miné quand même. Hein. Ah ouais. T'as vraiment été miné, toi. Ah non, mais t'imagines même pas. Je te dis, je suis à plus de. Je suis à 2 jours de jeu, moi. Plus de 2 jours de jeu en ce moment. Ah bah, moi j'en suis à 2 ou 3 heures, je sais pas trop. Là, c'est un trou pour les gens qui sont en Feather Falling. Enfin, au départ, c'était vraiment pour. Pourquoi il y a un cobble au milieu? En fait, si t'as pas Feather Falling, tu meurs dans ce trou là. C'est comme ça, Geeks, il est mort tout à l'heure. Ah, d'accord. T'as aussi, je crois, c'est Matteo qui est mort aussi, donc il avait un bloc d'eau. Ah ouais? C'est juste une petite ferme. Ouais, d'ailleurs, il y a pas grand chose en loot. C'est. Comment on appelle ça? Une tour à mob, quoi. Ah ouais, ok. Ouais, ça arrive et puis ça met directement, ok. Voilà, c'est pratique. Bah, niveau toi, mob, je vais t'en montrer. Je sais pas si t'as vu la ferme à or. Non, je l'ai pas vu. Non, j'ai rien vu du tout. Comme je suis parti miner directement et après j'ai été prendre le bois. Ouais, bon, on va finir le tour des maisons. Après, je te montre les fermes qu'il y a. Ok. Il y a une ferme à or, il y a une ferme à XP. Alors. Oh putain, encore de la pluie. C'est le seul gros défaut du serveur, c'est la pluie. Alors, hop, hop, hop. Alors, t'es remonté? Ouais, je suis tout en haut. Bah attends, je vais te montrer si tu te rappelles où est ma salle des coffres ou pas. Oh, j'avais oublié que j'étais en game mode aussi. Ah oui, pas grand chose. J'ai un demi double coffre d'Underpearl dans une garde à bon, non, t'es sérieux? Regarde celui-là, là. T'es sérieux? Oh là 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 là. Je vais te montrer comment ça a été fermé tout à l'heure en fin de vidéo. Donc là, on arrive chez Matteo. Progression en pause. Ah, il a réparé sa faute d'orthographe parce qu'il y a eu une progression avec un T il y a pas longtemps. Donc bah, je fuis un peu ses coffres quand même, je vais me faire plaisir, je regarde ce qu'il y a. Ah, oh, 8 diamants, bien joué. Il paraît que moi, il est sur la redstone, lui. Hein. Il m'a d'ailleurs changé mes systèmes de redstone parce que les miens faisaient laguer. Ah ouais? Les miens marchaient en fait, mais je faisais des trucs... Je sais pas si tu connais les clocks, si. Ouais, je connais. Les trucs à piston, mais en fait, il m'en a fait qui permettent de pas laguer. Et moi, je faisais des trucs qui laguaient énormément. Il les a fait avec les hoopers? Ouais, je faisais avec les hoopers au départ, j'ai aussi fait avec des blocs, c'est un peu le bordel. Je regarde un peu la maison d'Edwin en grand. Lui, j'aime bien les vides par contre. Ouais, j'aime bien, c'est bien fait. Par contre, j'avoue qu'il allait pas être grand de sa maison. Il prend de la place. Mais comment il prend trop de place lui? Bon, ça dérange pas énormément, comme j'ai dit, de toute façon, les gens peuvent construire à peu près comme ils veulent et après, en cas de besoin, j'agrandirai le village. Ouais, bah ouais. Le seul problème enfin, que j'ai enfin le village t'agrandira juste la zone non la safe zone quoi. Ouais voilà. Bah il y a encore toute j'ai compté toute la forêt. Le seul problème par contre que j'ai à voir c'est au niveau des chemins quoi. Ah ouais, exact. Au pire je me démerderais à faire un tunnel sous une maison. Ouais bah ouais hein. Tu peux faire ça. Ce serait pas trop mal. Donc vous bah je vais pas trop montrer la tienne, il y a rien. C'est plutôt vide. Celle à Nenexis ici, c'est pareil, c'est vide aussi. Je sais pas, je vais voir. Ouais, elle est vide, il était en train de finir tout à l'heure. Ouais, on m'a dit qu'ils faisaient toujours les mêmes maisons. Ouais, bah oui, il fait toujours les mêmes maisons. Hein. Je te le confirme, ça, y a pas de problème, hein, il fait toujours la même. La dernière qui reste, c'est le KFC, qui a changé dernièrement avant c'était une autre maison. Il a détruit toute sa maison et il en a fait une nouvelle. Ah, j'aime bien, j'avais pas encore essayé les vitres colorées. Ah ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais, elles sont jolies, j'aime bien les vitres aussi, j'ai jamais testé non plus. Donc lui niveau coffre.
Alors, à savoir que la personne qui habite ici est celui qui détient le no record de nombre de morts sur serveur, qui est actuellement de 37. 37! Putain, merde! Oh non, quand même! Déjà, moi je suis mort comme un con deux fois par un creeper, alors là. Je suis mort 8 fois, ça va. Je suis mort pas mal de fois contre Zenderman. Par contre, je sais pas si t'as ce problème-là, mais les creepers, je les entends pas du tout, moi. Non, moi j'ai aucun problème. Pourtant, je suis vraiment à fond, j'ai le son à fond, mais je les entends vraiment pas. Bah, moi je te dis, j'ai désactivé le son des mobs hostiles et j'en ai plus rien à faire en fait en ce moment. Putain, moi pourtant il est à fond quoi. D'habitude, je mets toujours un tout petit son, puis je suis mort une fois, je me suis dit ça y est, je remets le son et j'ai remis Et le t'as son essayé et la je suis mort une deuxième Décoroco? fois. Comment? Décoroco, t'as essayé? Non, mais j'essayerai plus tard, hein. De toute façon là, je pense pas que j'irai miner ou quoi que ce soit. Hein. Ouh, passe ton ventilo. Je montre un truc pour les gens pour leur dire, donc mon armure à peu près, pour dire que je prends zéro dégâts par les monstres. Je suis un peu OP. Zéro dégâts. Bah, mon casque a protection 4 à coin Infinity 1. Mon chestplate a protection 4, Unbreaking 3, Tente 2. Mon pantalon, Unbreaking 3, protection 4. Et mes bottes, Feather Falling 4, protection 4. Et t'as fait tout ça avec des livres, non? Tous les protections 4, j'ai dû farmer 3 livres à protection 4. Oh là là là, c'est tellement chiant de faire protection 4. Non, je te montrerai comment c'est pas chiant. Le plus chiant, c'est d'avoir les bouquins. Donc, on a fini les maisons, on va aller passer à la maison à la ferme à or. Bah, Bah, est-ce que t'es bouquin, déjà allé moi dans le je. Nether ou pas? Non, je suis pas allé. Bah, tu verras qu'il y a un gros bug quand on va dans le Nether qui ramène dans la ferme à or. En fait, je me suis foiré, j'ai fait la ferme à or sous le spawn. Ah ouais, je vois. Ah, tu vas dans la mort, toi. Ouais, non, mais c'est un bloc d'eau. Donc, à savoir, là, il y a un coffre, mais j'ai enlevé un double coffre de Rotten Flesh. Et il y a un double coffre de Gold Nugget qui est parti. Et Oh là pour montrer à peu là près aux gens ce que ça donne, voilà. C'est ça la ferme à or. là. Ah, c'est plutôt pas mal, hein. Là, on peut remercier Geeks pour la TNT. Hein. Oh là là, et moi je serais jamais capable de miner tout ça quoi. Même à la TNT, ça doit être chiant à faire. Ouais, non, ça va. Mais après, on va sortir. Bah, regarde, attends, je sais pas si tu vois, mais sur un mur. Alors. Où est-ce que c'est? Sur un mur, il y a un panneau avec un bouton qui téléporte au centre du spawn. Pour la simple raison, justement, que. Ah, j'arrive même pas à le trouver. Là, regarde, je sais pas si tu vois. Ouais, je te vois. Bah, en fait, t'as un bouton, t'appuies. En fait, tu ressors du Nether par ici. Et Ah, ok, d'accord. à chaque fois, faut appuyer sur le bouton pour retourner au spawn. C'est un peu buggé. Je regarde un peu les affichages que j'ai mis. Problème de spawn, ouais, faut que je change le problème de spawn, j'arrive toujours pas à le changer. Parce qu'il est le spawn est. Ouais, d'ailleurs, tiens, toi, je sais pas si je l'ai fait. Il y a la nouvelle commande d'ailleurs. Ouais, je sais, mais je me rappelle plus. C'est bizarre. Lié, je crois, sur. Oh, je sais plus, elle est où. Ouais, voilà, mais je l'ai vu tout à l'heure en fouillant sur toutes les commandes, mais j'ai pas trouvé. Spawn point. Alors, je vais mettre le tien ici pendant que j'y pense. Donc c'est M. Sinon, tu fais un truc à l'ancienne avec des. Tu sais, des commandes blocs et puis tu relis tous les. Comment ça s'appelle T'as déjà pas là? vu que là-bas il y a un gros bloc d'obsidienne à côté? Ouais, si, je l'ai vu. Et ben quand tu rentres dedans, t'as déjà un truc. Normalement, tu dois spawner dans le bloc d'obsidienne. Et au fur et à mesure, on l'a grandi, mais le spawn se décale tout le temps. Ouais, bah oui, j'ai spawn sur le toit moi. C'est pire qu'amusé. Bob l'éponge, quelqu'un qui s'est amusé. Bon, allez, je vais te montrer après où est-ce qu'on va. Là, par contre, on va sortir de la zone non PVP. Donc, la ferme à XP, on l'a fait en zone PVP pour justement pour que les gens puissent se battre en cas de besoin. Ouais. Parce que sinon, ça aurait été un peu trop facile de pouvoir d'aller là-bas. Par contre, elle est loin. Ouais, plutôt, ouais. Hein. Bah là, il y a du chemin. Dis-toi, j'utilise 16 underpearls pour aller là-bas normalement. 16 enderperles. Ouais. Oh là 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 là. Déjà tout à l'heure pour miner, je crois que je suis parti à la 2000 blocs histoire d'être tranquille. J'ai eu peut-être 20 ou 30 minutes de marche à pied, hein, une connerie dans le genre, j'étais parti trop loin. Bah attends, si tu veux, je vais te montrer un truc. Les gens, je. Tant pis, je vais couper un peu la vidéo, vous allez pas voir. Je vais te filer un lien, tu vas voir un truc. Tu vas voir la map. Actuellement. Coller. Tu regardes sur internet? Alors, hop, hop, hop. Donc les gens, vous allez juste nous entendre là, je vais dire à peu près.
Et tu regardes, tu vas voir la maison spawn point, hein, le spawn. Et tu regardes tout le chemin qui a été fait à droite, c'est moi. Je suis parti à pied avec un... Je suis parti à pied avec un stack de poulet. J'ai fait 10 000 blocs dans une direction. Ah ouais, quand même. T'étais plutôt déterminé, quoi. Bah en fait, je cherchais des grottes et au final, je me suis baladé. Et j'ai rien trouvé d'intéressant. Bah et au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis mon stuff dans... Comment on appelle ça? Un under chest et je suis mort. Voilà. Bon, c'était plus simple pour rentrer de toute façon. Ouais, voilà. Donc là, on a un biome Mesa d'ailleurs, il est immense, faudra que j'explore. Ah, c'était pas lui, j'en ai trouvé un autre tout à l'heure. Oh, faudrait que je passe là pour ma maison, faudrait que j'ai. Oh non, mais celui-là, t'as de quoi miner pendant des mois. Hein. Ouais, bah oui, hein, ça se voit. Que, tu continues comme ça, on l'a fait sur 200 blocs et ça peut encore finir de générer. Oh là 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 là. Donc le seul moyen de repérer, donc là, ici, c'est par un petit chemin paumé. Même pour les connaisseurs, je suis seul, je crois, qu'il arrive à bien me repérer à le trouver du premier coup, ce chemin-là. J'ai tellement l'habitude de l'utiliser. Ah, j'aime bien les petites différences de couleurs, là. C'est plutôt pas mal. Mais t'as vu, tu peux vraiment tout miner là-dedans. T'as ouais, bah miner. Ouais. Bah, t'as Frank724 tout à l'heure qui a utilisé une pioche entière en diams pour tout miner. Pour tout. Oh là 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 là. Il était vraiment déterminé, lui aussi. Hein. Ouais. Moi, je vais le faire aussi, hein. J'en aurai besoin. Mais bon, ça dérange pas. Tu suis encore, ouais, tu suis. Ouais, je suis. Allez, coffre. T'as fait un MXP d'ailleurs, qu'il va falloir que je change. Ça, par contre, on l'avait fait en game mode parce qu'on n'avait pas le choix. Ça va être trop galère. C'est un des trucs que je fais en game mode. Si tu remarqueras, je fais aussi les chemins et des trucs au spawn en game mode parfois. Ouais, j'ai vu quelques petits trucs. Ouais, je t'ai vu tout à l'heure, t'as fait le chemin. Ouais, voilà. Ça, je fais en game mode. Monkey, je crois, il s'appelle, je sais plus. Donc là, c'est ce qu'on appelle une ferme à XP. Oh, Underpearl. Non, mais ouvre le coffre au fond. Ah, d'accord. Et attends, clique droit sur le coffre en dessous. Ah, il y en a encore en dessous. Oh là là. Il y a des droppers sous tous les Underman et tout est fermé comme ça. Oh là 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 là. Un peu. Merde, j'ai pété une barrière. À peu près en 5 minutes, tu fais les 30 levels. 30 levels? Oh, c'est tellement tranquille. Ouais. Et dis-toi, une fois, je suis venu ici avec 64 bouquins, j'y ai passé une heure, et j'ai fait les protections 4 et tout. Une heure? Oh là 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 là. Oh, le rêve total. Faut y passer du temps ici. Hein. Bah, depuis, on a rajouté aussi, parce que ça sert plus à rien. Nous, on n'enchante plus au level 1 avec moi, Frank724 et Xmod. On enchante les bouquins au level 30 ici maintenant. Ouais, bah ouais, de toute façon c'est plus simple. Ouais, mais ça met beaucoup plus de temps à enchanter. C'est énorme. C'est vraiment très galère. Oh là 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 là. Et je te dis, ça lag un peu ici. Hein. Légèrement, légèrement. Ça va. Bah, ça dépend des coups des gens aussi. Et après, bah la sortie elle est par là. La seule fois où j'ai eu le seum, c'est quand je suis passé level 30. J'arrive là, t'as un Norman qui m'aggro et je meurs. Ah, ça fait mal, ça. Ça fait plutôt mal, ça. Ouais. Je vais tout refaire. Et après, on revient tous au village normalement. Ouais, voilà. Ouais, nickel, au spawn. Donc, normalement, ton spawn, toi, il est bien mis. Ouais. C'est la nuit, ça fait joli dans le village. Ouais, c'est bien. En plus, c'est bien éclairé, ça va. Ouais, bah, c'est pour ça, en fait. Au départ, j'ai hésité à mettre des. Comment ça, les lampadaires un peu partout, mais je me suis dit que non. Ça allait faire trop moche si j'en mettais partout. Donc, au final, les torches, c'est mieux. Ouais, ouais, bah ouais, ça va. Et puis même, regarde, il y en a pas mal qui mettent des torches devant chez eux, donc ça va. Hein. Bah, c'est ils sont un peu obligés en hardcore. Hein. Un peu. D'ailleurs, c'était les deux premières fois que je mourais en hardcore, comme ça je suis content. J'aurais tout fait. Hein. Bah, dis-toi, ici, tu vois l'étage, là. À l'origine, il n'y avait pas de torche. Je sais pas qui c'est qui est venu ici torcher l'étage, mais en fait, j'avais exprès de pas mettre de torche pour qu'il y ait des mobs qui puissent spawner au-dessus. Oh là 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 là, le bordel. Mais ouais, y'a pas mal de mobs à spawner aux entours. Bah, de toute façon, t'appuies sur F3 et tu regardes le nombre d'entités. En moyenne, t'es à 200 au niveau du spawn. Et quand tu rentres dans ma maison, y'a une époque, t'étais à 400. T'avais 200 poulets dans ma maison. C'est aussi pour ça le KFC. Ah ouais, d'accord, je vois le truc. Ah non, mais faire ma poulet, c'est énorme. Tellement bon.
Bah au final niveau bouffe c'est rentable hein. Bah ouais, hein, plutôt, hein. J'ai vu ça, t'as ton stack plus, plus Ouais. un demi, je crois, je sais plus. Ouais voilà mais j'ai toujours un stack hein, faut se dire ça. Ouais, bah ouais, ça va, c'est tranquille. Là si je vais voir je suppose que c'est en... Ah quoi que je sais pas si c'est augmenté vu qu'il y a personne. En fait le problème de tous ces systèmes là redstone faut qu'il y ait quelqu'un à côté. Ouais, bah oui, parce que sinon ça. Et ça Y a glisse quoi. pas. Ça. Comment ça veut dire? Merde. Ouais, bah sinon ça spawn pas, quoi. Ouais. Donc là ouais il y a un stack ennemi ça passe pas spawner. Donc là il faut voir qu'à la porte j'ai 3 zombies. Je sais par quoi ils sont attirés, c'est normal. Y a un villageois derrière? Il y en a 2 derrière en bas. Ah, Caché. ok. Bah attends, je vais te montrer ça, faut pas passer par là, faut passer. En fait, je comptais les faire reproduire, mais ça a totalement bugué. Ah ouais, tu vas automatiser le shop après avec. J'aurais voulu, mais les villageois, ça devient galère pour automatiser le shop. En fait, je pense pour automatiser. Non, désolé. Attention. Pour automatiser le shop, j'attends que Craft Bucket en a pour 7 qui sorte. Ah ouais, je vois. Non, par contre, si je dois faire automatiser le shop avec des villageois, je les ferai en game mode et je les ferai spawner comme ça, vu que c'est un truc pour le village. Parce que si je fais ça. Je vais faire ça vraiment en game mode. Il y a des trucs, je vais faire vraiment en game mode, tout ce qui est shop ou autre, j'ai fait en game mode, mais c'est plus simple. Ah, bah oui. Hein. C'est pour ça, tout ce qui est émeraude, en fait, je fais ça pour le village. Je trouve ça un peu plus intéressant pour faire des échanges avec les joueurs, donc. Ouais, c'est mieux. Et puis, tu vois, genre le truc, je sais plus, là, les enchantes, tout ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, moi, j'aime bien. Hein. Bah en fait, ce qu'on hésitait c'est les levels. J'ai fait ça bah, avec Frank724 vu que c'est mon coloc, on y a passé toute une soirée à parler ça. Et on a vraiment hésité les levels et autres. Il y a des trucs qu'on va devoir bouger d'ailleurs. Ah, ouais, genre. Le diamant. C'est 4 diamants. Non, un diamant qui donne 4 émeraudes. Ouais. Ça c'est un peu abusé. Pour les personnes qui sont comme moi qui ont 50 diamants. Ah ouais, je vois. Tout le temps Ouais, mais ça. après, faut le trouver aussi le diamant, c'est ça le truc. Ouais, mais quand on a un, t'en prends 4. C'est vrai. Et bah pareil, tout ce qui a été abusé, bah tu regardes, t'as les panneaux qui ont été mis là, pour tout ce qui est abusé. Alors, pas de beacon, or, pool slim, les livres enchantés, les graines under chest. Ouais. C'est quasiment tout ce qui est farmable. Le Ouais, parce beacon. que Under Chess, franchement, c'est simple, hein. Ouais. Le beacon, tu sais, il y a 128 émeraudes. Et donc si j'essaie de reprendre des beacons, ça risque d'être un peu abusé. Le mec il devient vite fait full stuff. Par contre c'est pareil, on donne pas de fer parce que je crois que l'offre du fer c'est une émeraude pour 64 de fer. Une émeraude pour 64 de fer, bah. Franchement, une émeraude 64 de fer, c'est plutôt large, hein. Ouais c'est pour ça, donc en gros je donne pas 64 de fer contre une émeraude. Mais par contre, bah, tu sais, je fais l'offre 64 fer contre une émeraude, mais pas l'autre. Ouais, tu fais pas l'inverse, quoi. Bah, il y a tous ces trucs comme ça où je fais pas l'inverse. Et il y a des panneaux, il va falloir que je fasse les deux offres. Par contre, les œufs, ils sont bien, hein. C'est. Pouf. Œufs Ouais, de bah, les gens, on a mushroom. mis ce qu'on pensait, on a essayé de faire les prix à peu près. Une selle, 4 émeraudes. Ouais, mais bon, ça, il doit plus trop en avoir, hein. Non, mais c'est pareil, je te dis, tout ça, c'est du. Je fais tout en give en fait, tous les trucs dans le shop. Ouais. Je fais ça pour les gens donc je fais tout en give. C'est pour ça parfois on me voit passer en give, c'est quand je fais moi-même dans ma maison, je fais les échanges moi-même. Ouais. Et un conseil pour les gens, ceux qui regarderont la vidéo et même pour toi, tu fais une pioche fortune, 3, tu vas dans des extreme hills et tu mines des émeraudes. Ah Ça marche tellement bien. ouais? faut que j'essaye. J'y suis pas encore allé, hein. J'ai pas eu le temps de tout faire encore là. Mais bon, là je sens que déjà je vais tout automatiser en redstone, ça va être sûr ça. Ouais, bah y'a pas mal de monde à faire de la redstone. Ouais, bah ouais. Hein. À part Nex, je crois qu'il en fait pas trop. Ouais, bah moi j'ai Mathéo qui m'a vraiment bien aidé pour la redstone parce que comme il disait, ça faisait pas mal laguer pour lui. Oh bah après je sais pas, je crois il a un. Mais qu'est-ce qu'il a fait lui? Qui? Il a fait pousser un gros. Oh là 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 là. Enfin bon bref, ouais, mais c'est bizarre, il doit pas avoir un très très bon PC non plus parce que pourtant ça va, hein, moi je suis à 2 mégas. Et ça va, je tourne bien, enfin y a pas, j'ai pas de lag, j'ai rien du tout. Bah c'est pas un truc. Ça va les arbres comme ça, je les trouve assez jolis dans le. Ça à la limite je pourrais en faire pousser dans le village. Ouais. Possible. Mais alors attends, ah mais ah ouais, le chemin il est pas fait en fait. Où ça? Pour aller chez. Je sais pas comment il s'appelle. Celui qui fait sa maison dans la montagne en clé.
Ah, Frank1724, c'est mon coloc, c'est aussi un modo. Et non, je fais les chemins que quand la maison est finie, c'est pareil pour toi, j'attendrai que la maison soit finie, quoi. Ah, ok. Enfin, Ok, ok. sauf pour Monkey où c'est en grande partie fini, quoi. Enfin, il y a une grande partie de fête. Ouais, bah il a fait la moitié là à peu près. Ouais. Putain, mais le bois il est vraiment beau en fait. Il a vraiment. Enfin, c'est un peu bizarre, ça fait couleur carotte, mais. Non, Mais les ça deux va quand nouveaux même. bois qu'on t'a rajoutés, je les aime bien. Bah, l'autre bois, C'est justement, plutôt c'est pas l'arbre mal. qui l'a fait pousser, Nenexis, ça. Bah non, je pense pas que ce soit lui, hein. Si, c'est lui, regarde. T'es sûr? Dark, attends. Normalement, ouais, c'est ça, Dark Woodwood. C'est bizarre quand même. On C'est dirait sûr. pas du tout que c'est le même, hein. C'est un peu plus foncé que le bois de. Ou c'est moins foncé, je sais plus. Moins foncé, je crois. Bah, tiens, regarde, là, je peux prendre une bûche. Ma maison, elle est faite avec l'autre type de bois marron. Et tu vas pouvoir comparer. Je vais mettre ça comme ça. Voilà, regarde, tu peux comparer comme ça. Ah ouais, je vois. T'as vraiment une belle C'est un différence. peu. Ouais. C'est quoi le délire avec la map? Gros Qui c'est qui est passé par fail. là, putain? Gros fail. Non, aucun fail, juste quelqu'un qui m'a tout bougé. T'as pété là, non? Merde, attends, je te la remets. Je vais devoir tout reprendre, putain. Putain, qui c'est qui est venu encore troller? Merde, c'est pas ça que je veux faire, moi. Alors. Ouais, va falloir tout remettre. Alors, là ici, ça doit être. Non, ça c'est ce qu'il y a au-dessus. Donc il me faut celle-ci. Pourquoi ça te. C'est quoi ce délire, attends? Pourquoi est-ce qu'ils sont mis de côté? Ah, j'avoue. Ah, celle que je viens de mettre, elle est pas. Ah, c'est bizarre. Celle du haut, elle était pas dans. Hein? C'est quoi ce délire? Merde, attends. Je réglerai ça plus tard parce que là, je comprends pas. Ah, GG. Il est Plutôt mort où? bizarre, hein. Y a beaucoup de morts, je trouve, hein, quand même, hein. Bah, les gens font pas trop gaffe. Tout à l'heure, j'avoue que quand même on a fait assez fort. Le double kill au creeper, elle était plutôt pas mal. J'avoue. Non, mais il y a des jolis morts. Hein. Bon, il y a toujours un peu de PVP. Au niveau du PVP, t'en as. Moi, j'ai tué Nenexis une fois. Nenexis a tué Jocelyn. T'as Edwin qui a tué Geeksmod. Je crois que c'est tout au niveau du PVP. Ah, c'est tout. Oh, mais tu sais qu'en plus on est mort, la double kill au creeper, on est mort parce qu'on suivait un mec, on voulait le tuer au PVP. Vous En suivez fait, qui? je sais plus, je crois que c'était Monkey. Le pauvre. Et du coup, on est mort. Ok, il est mort pas mal. Il est sérieux? Il pêche ici! Ah oh non, il abuse. Sérieux, il y a des trolls quand même sur le don. Ça va. Qu'est-ce qu'il fout? Bon, on va couper la vidéo quand même là-dessus parce qu'elle est pas mal longue. Limite, je vais devoir Bah, ça raconter doit deux faire plus de parties. 15 minutes là, non? Je vais dire ça à peu près, mais. Alors, frappe. Ah, petit fail avec le bois là. 5 et ça. Je suis à 15 minutes. Ah ouais, t'as raison. Ah bah ça va, c'est pas tant long que ça. Bon bah ça va, bon bah on va couper la vidéo là-dessus. Je trouve que bah par rapport aux vidéos que j'ai fait au départ. Dis-toi au départ, moi quand j'ai commencé, il y avait juste. J'ai juste fait le gros bâtiment en game mode et puis c'est tout. C'est tout, après tout s'est construit tout seul quoi. Ouais, Enfin, tout le monde a sauf la construit son. place et les chemins, qui est en game mode aussi. Ah ouais, je vois. Et ça fait même pas une semaine que le serveur tourne. Même pas une semaine, bah ça va, hein. C'est pour ça que je trouve que ça avance vite. Hein. Ouais, bah ouais, enfin ça a pas dû. Enfin, il y a combien de personnes sur le serveur? On doit être arrivé au 15 maintenant à peu près, je dirais. 15, ah bah oui, ça va, tranquille. Ça va plutôt tranquille. Attends, quoi que je vais compter, vu qu'il y a les maisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah non, 10 pour le moment. Et attends, il y en a d'autres qui sont. Non, il y en a un que j'ai ban aussi, donc lui on l'a enlevé. Ouais, celui qui a tout fait péter, c'est ça. Ouais, ça m'a fait chier, j'ai perdu 10 heures de jeu pour ça. Les Mais comment sauvegardes il a pour. fait pour avoir toute la TNT? Non, il a pas fait péter, il a mis au briquet quoi.
Ah ok, d'accord. Et je peux te dire qu'un briquet ici, ça fait mal. Hein. Bah, tout est en bois, quoi. Voilà. Là est le problème, hein. Mais j'ai la flemme de tout remplacer par des demi-dalles. Non, mais je vois. Non mais ça va, c'est bon là encore, ça va. Ouais, ça va. Bah, du moins qu'il n'y a personne à refaire ça, quoi. Ouais, bah ouais. Hein. C'est un des cas comme ça fait juste chier. C'est pour ça que j'attends vraiment le craft kit 1.7. Bah, il y en a pas mal de gens qui l'attendent quand même, hein. Bah, je pourrais rajouter pas mal de plugins. Bon, je vais couper quand même la vidéo, les gens, parce que là, ça va commencer à devenir long. Bah, je vais dire au revoir sur la jolie vue du spawn. Ça commence à devenir joli. T'as quelque chose à dire ou pas, toi, sur le serveur? J'ai l'impression. Bah franchement, je suis arrivé depuis 3-4 heures, il est plutôt sympa, moi j'aime bien, c'est plutôt cool. Bah, l'ambiance est bien en plus, c'est ça qui est bien. Ouais bah ouais, c'était plutôt tranquille. Le petit GG à chaque mort, ça fait toujours plaisir. Ouais. Ouais Enfin, pareil, aux HMOD, ça fait plaisir aussi. voilà, hein. Tout fait plaisir. Bon, plus il y a des interactions, mieux c'est. Ah bah oui, de toute façon c'est comme ça que ça marche, hein. Le seul truc que je dis, c'est les insultes. Bon, j'en laisse passer quelques-unes quand même de temps en temps. La preuve, même moi, Ouais, j'en mets bah oui. quelques-unes de temps en temps dans le chat. Du moins que c'est pas méchant. Un petit coup de rage, ça fait pas de mal, hein. Tiens, d'ailleurs, c'est là tout à l'heure, il y avait une éponge. J'ai pas pigé comment le mec a réussi à trouver une éponge. Une éponge. Bah, viens voir le truc qui fait Bob l'éponge là-bas au panneau d'affichage. Ah oui, j'ai vu ça. Je sais pas où est-ce qu'il a trouvé ça. Dans les j'ai demandé aux deux autres modos, il y en a qu'un des deux qui a givé ça. Donc je sais pas comment il a eu ça. Bob l'éponge. Bon allez, c'est là-dessus Mais qu'on va il a dire au quand même revoir. bien joué, quoi. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir.